في تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه، هذا إكرام للميت المسلم. Dans le fait de laver le mort, de le mettre dans le linceul, de prier sur lui, ici il y a une sagesse et il y a le fait d'être doux et d'être généreux et d'être bon, d'être bienfaisant envers le défunt. ولهذا يعني هذا قد يكون بابا من أبواب الدعوة إلى الله لغير المسلمين. تقول نحن أهل الإسلام ولله الحمد عندنا الميت يكرم يغسل ويكفن ويصلى عليه. Et cela peut être une grande porte de da'wa, d'appel à l'islam pour les non-musulmans, pour ceux qui ne sont pas musulmans, en leur expliquant la beauté de l'islam, la sagesse de l'islam, en leur expliquant ben voilà comment nous lavons le mort, comment nous le mettons dans le linceul, comment nous nous occupons de lui. Cela peut être une grande porte de da'wa, d'appel à l'islam. Et on doit s'entraider, dans le lavage, dans la mise en linceul, dans la prière sur le défunt. On doit s'entraider dans ses œuvres et dans ses actions. Les gens de l'islam, les musulmans, se réunissent pour prier sur ce défunt. Contrairement aux non-musulmans qui brûlent et qui brûlent leurs défunts, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve.